Ça, c'est réglé. Opa. Te revoilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Avant les choses sérieuses, est-ce qu'on pourrait enfin s'amuser un peu? Je te remercie de ton aide, mais je ne crois pas. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je l'ai ressenti parfois, mais pas assez pour moi. Occupons-nous plutôt de ce qui est important. Oh. Tu as engagé d'autres mercenaires? Oh, pour de petites choses ici et là. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires, après tout? Un homme que tu devais épouser a connu une fin brutale. Il a probablement été tué par ceux qui en veulent à ma vie. Non, tu mens. Avec tout ce que j'ai trouvé, je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi? Tu ne mérites rien de tout ça. Tu essaies simplement de vivre ta vie. Naturellement. Bon, j'ai menti, mais je veux pas la tuer. Mal. Je veux simplement que mon père aille mieux et entamer ma propre odyssée. En attendant, on pourrait s'amuser un peu. J'aime beaucoup tes avances. Dis-moi, qu'est-ce qui doit me faire chavirer cette fois? Tu pourras me découvrir en me déshabillant. Je peux faire ça. Tiens, c'est pas trop tôt, hein. C'est un chopper, mon personnage. J'ai envie de quoi me faire le coup. Et bon, voilà. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Pourquoi nous dire adieu? Tu pourrais te joindre à mon équipage. Eh bien, tu m'as toujours soutenu. Et ce serait agréable de partir d'ici. Faut qu'elle soit légendaire. Mais, et ton père? Il se sent beaucoup mieux, grâce à toi. Tu ne crains pas... On s'attaque à lui? Je vais transmettre les informations que tu as trouvées. Tant que nous les détiendrons, il ne craindra rien. Alors, bienvenue à bord. Ouais, non, en fait, c'est pas une des mercenaires que je voulais ouvrir. Mais bon. Pas intéressant. Oh, épique. C'est dommage. Oh, l'énergie des rameurs. C'est bien. 15 dégâts de flèche incendiaire. Et c'est pas mal du tout, n'empêche. Ouais, mais j'aime bien la couleur légendaire. Oui, j'ai déjà fait. Son arc. J'ai la prime. Bon, maintenant l'émission. Ah!
Eh. Mais viens. On me saoule de ma gueule, lui. Oh. Je veux mon niveau 30 pour mettre mon torse. C'est pas la chasseresse. Ah si, c'est encore. Ah non, ça se porte. Tu vas me dire de tuer un commandant athénien. Quéré, soldat. En quoi puis-je aider Sparte aujourd'hui? Le Mystios porteur d'aigle. Je croyais que tu n'étais qu'une légende. C'est la vérité, Spartiate. Je suis une légende. Ben j'ai entendu parler de la manière dont tu as aidé les Spartiates à remporter la victoire en Mégaris. Mais on dit aussi que tu es mêlé à la disparition du loup. Ne crois pas tout ce qu'on raconte. Je n'ai pas tué. Hélas, sans le loup, la peur s'est propagée dans nos rangs. Certains défaitistes vont jusqu'à dire que Nikolaos n'est pas mort, mais qu'il a déserté. Ils avancent que personne n'a vu son cadavre. C'est idiot. Tout le monde sait qu'il est mort. Peut-être, mais ces hommes y croient fermement. Ils abandonnent leur poste et encouragent les autres à en faire autant. Il faut les empêcher de nuire. Tu me demandes d'aller tuer tous ces déserteurs spartiates? Les soldats doivent tous mourir. C'est nécessaire. D'accord, je vais le faire. Ah, excellent. Laisse-moi faire. Je viens à propos de ton offre de travail. Qu'est-ce qui se passe? Un grand Spartiate est mort. Un dirigeant, une source d'inspiration. J'ai réalisé des portraits de lui jusqu'à l'épuisement. Quelle dévotion envers tes dirigeants. Je vénère surtout Sparte. Je veux que mon œuvre rappelle son méfait au commandant qu'il a laissé mourir, ainsi qu'au crétin qui a pris sa place, même si j'ai d'autres projets pour lui. Tu veux que j'apporte ceci au commandant Spartiate? Ah, tu as parfaitement compris.
je vais m'occuper de ça. Surtout prudence. Je dois m'en aller. Bon, du coup les amis, ça va être la fin de cette vidéo parce que je pense que ça fait vraiment qu'elle dure. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Ciao, ciao.